Pour afficher le menu des réglages de navigation sur l'écran tactile inférieur, appuyez sur le bouton « Menu » du panneau de commande, puis sur « Réglages » et « Navigation ». Appuyez sur « Vue de la carte et affichage » pour sélectionner les renseignements que vous souhaitez voir s'afficher sur le côté gauche de la vue sur écran divisé de l'écran tactile supérieur. Sinon, appuyez sur « Préférences de carte » pour afficher la liste d'autres réglages de navigation. La touche « Paramètres carte » sert à choisir un mode d'affichage de la carte. L'affichage « Orientation nord » est une vue de la carte en mode 2D sur laquelle le nord figure toujours en haut de la carte. L'affichage « Orientation véhicule » est une vue de la carte en mode 2D sur laquelle l'icône du véhicule se dirige toujours vers le haut de l'écran. L'affichage « Vue à vol d'oiseau » offre un affichage en plongée et tridimensionnel de la carte. Si l'affichage en mode 2D, orientation véhicule, est actif, choisissez l'option « Itinéraire conduite longue durée » pour afficher une zone plus large autour de l'icône du véhicule dans la direction empruntée. Appuyez sur « Couleur carte » pour modifier celle-ci grâce à des options qui mettent l'accent sur les routes, le texte ou la circulation. Vous pouvez sélectionner « Taille du texte de la carte » pour ajuster la taille du texte sur l'écran de navigation. En mode « Vue à vol d'oiseau », appuyez sur la touche « Angle de vue à vol d'oiseau » pour régler l'angle de la vue tridimensionnelle. Appuyez sur « Orientation nord zoom max » pour orienter automatiquement la carte avec le nord en haut. Pour activer ou désactiver l'affichage des renseignements relatifs aux sorties d'autoroute, appuyez sur « Afficher les sorties d'autoroute » et sur « Affichage automatique en mode autoroute » pour activer ou désactiver l'affichage automatique d'une feuille de route sur la gauche de la vue sur écran divisé en cas de circulation sur autoroute. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des noms des lieux, des installations et des routes séparément en mode vue de la carte en appuyant sur « Nom affiche sur la carte ». Appuyez sur « Réglage de carte écran gauche » pour procéder au réglage du côté gauche de la vue sur écran divisé de l'écran tactile supérieur. Veuillez consulter le manuel du conducteur InTouch d'Infinity pour des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.